Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 6h58. Je dors quoi. Voilà, je vous prends très tôt. Je viens de voir que j'avais presque plus de batterie, donc ça tombe bien. Il faut que je remette rechargé. Donc je fais mon teint et tout ça. Là, je vais faire mes soins. Enfin. Une partie de mes soins, du moins. Attendez, 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 je prends tout ce qu'il faut. Alors, je viens de me faire mon deuxième litron de café. Je suis réveillée depuis encore à peu près 5 heures grâce à Monsieur le Chat. J'adore Monsieur le Chat. Mon petit week-end. Alors, vendredi, quand je vous ai laissé, je crois que je vous avais dit qu'on devait aller voir l'apéro chez mon frère. Donc on a été voir l'apéro et ça s'est transformé en barbecue. On a mangé là-bas et tout, on a vraiment passé une bonne soirée. J'ai enfin vu un peu ma filleule, mes deux nièces, mon neveu. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, ça m'a fait du bien. On a bien bouffé. Voilà. De toute façon, on passe toujours des bons moments quand on est ensemble. C'était chouette. En plus, il y a les fils de ma belle-sœur avec qui je rigole beaucoup aussi. Donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien au moral d'être un peu avec mon frère et les petits. Donc voilà pour ça. On n'est pas rentré très tard, on est rentré à 10h, 10h du soir et demi. Mais bon, on y était depuis 4h30, donc 5h. Voilà pour le samedi. Alors j'ai refait mes ongles. Je me suis pas trop cassé la nénette. J'ai juste enlevé le vernis. Donc j'ai limé le vernis que j'avais avant, la pose. J'ai gardé la pose américaine en fait, que j'ai raccourci. Et j'ai juste mis un vert un peu pastel avec un effet coquillage dessus. Je sais pas si vous allez voir. Un peu quand même. Voilà, j'avais pas trop envie de me casser la nénette. Les chichoufles, le bordel. J'ai refait ma colo, enfin mes racines, hein, pas les longueurs, hein, les longueurs, j'ai rien fait, j'ai juste refait mes racines parce que on voyait fortement que je suis vieille. Pritch, on va remettre mes lunettes. J'ai fait les swatchs de la palette, j'ai reçu ma palette Rain, que je vais détourner le réel juste après. Vous avez eu la vidéo lundi, donc je vous la remets en barre d'infos. Voilà, tout simplement. J'avais vraiment hâte de la recevoir et j'ai Boozy Shop qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant t'es prête? Elle arrive. Donc il m'avait prévenu avant, mais manque de bol, comme j'étais à la sieste, j'ai vu qu'une fois que j'ai vu que la palette était sortie. Voilà. Et il y a mon beau-frère aussi qui est passé, donc le frère de chérie avec sa copine. Voilà, ils sont passés voir un petit café. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Donc voilà. Et le dimanche, ben, je n'ai pas fait grand chose. Donc hier, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste filmé la vidéo donc Swatch and Makeup que vous avez eu lundi. Ils sont forts, hein, tôt le matin. Et j'ai principalement kické. Voilà. J'ai joué à Mad Time et Portia encore en regardant des trucs criminels encore. J'ai dit à Amy, je vais squatter ton Disney Plus parce que j'ai envie de regarder Avatar. Ça fait quelques jours que j'ai envie de regarder Avatar. Mais je suis tellement à fond dans les reportages. Là, c'est des reportages que j'ai pas vus. Je suis tombée sur une chaîne, je ne sais pas vous dire comme ça, qui regroupe des enquêtes criminelles et tout ça. Et du coup, il y en a quelques-uns que j'ai pas vus, donc je suis content et je suis contente. Et quand c'est des trucs que j'ai déjà vus, ben je les regarde quand même. Voilà. Amis et ses obsessions de criminels. D'ailleurs, hier, j'ai regardé un reportage sur Jeffrey Dahmer. Voilà. C'est pas comme si je connaissais pas toute l'histoire par cœur de Jeffrey Dahmer. Hein. Mais voilà. Je crois que j'ai un peu choqué les filles la dernière fois parce qu'elles parlaient du reportage de John Wayne Gacy sur Netflix, que j'avais déjà vu, hein, dès que j'ai vu qu'il est sorti, j'ai regardé. Mais Amy ne savait pas dire le nom, et quand je lui ai dit tout de suite, ah oui, c'est John Wayne Gacy.
Quand je vois que je connais un peu beaucoup trop les noms des lectures en série et compagnie, c'est que ça fait peur quand même. Ouais. Mais bon, on est psychopathe ou on n'est pas. Voilà. Donc, du coup, bah, c'est tout. J'ai hâte de voir la vidéo de mercredi pour moi. Donc, vous l'avez déjà eu, c'est la vidéo dégustation avec Georges. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On s'est tellement amusé à la faire et Georges était tellement enchanté de la faire qu'il n'arrête pas de me demander quand est-ce que je vais commander la box chinoise. Mais on va attendre un petit peu, Coco, parce que c'est quand même pas donné, hein? Voilà. Et il a vraiment hâte. Il a hâte que ça sorte aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, ah oui, je viens de faire une commande AliExpress. Donc j'ai commandé des cordons, mais j'en ai déjà commandé la semaine dernière, hein. Des cordons pour mes cheveux, des lacets. J'ai commandé des perles aussi pour faire essayer de les faire moi-même. Je ne sais pas si elles auront le bon diamètre pour le trou de l'intérieur, mais on verra bien ça ensemble. Et je viens de faire une commande Maki Beauty. Bon, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris deux fonds de teint poudre Révolution pour mon backup. Parce que j'en ai plus qu'un en backup. Donc, mamie, une fois qu'il n'y en a plus qu'un, elle panique. Et je me suis commandé. J'ai fait une folie. Voilà. J'ai commandé deux rouges à lèvres Jeffree Star. C'est les meilleurs hein, avec les melted. C'est ceux qui tiennent le mieux chez moi. J'ai pris le rose fuchsia puisque j'ai fini mon NYX et que le NYX lingerie tient absolument pas sur moi. Et le orange que je veux depuis qu'il est sorti. En plus, son nom c'est Tangerine Queen, je crois. Enfin, il y a Queen dedans. Donc voilà. Mais c'est un orange pétant. Et ça fait un moment que je l'orne dessus depuis qu'il est sorti en fait avec la palette orange là. Mais là, je me suis dit, allez hop, c'est la saison. Et j'ai pris. Ah oui, j'ai pris une poudre compacte. De toute façon, vous verrez certainement, je l'aurai dans la semaine, je pense, au début de la semaine prochaine. J'ai pris une poudre compacte Révolution en teinte ivory pour poudrer mon arcade sourcilière en fait. Parce que les petits fards mono, on commence à avoir du mal à en trouver. J'ai pas été chez Auchan depuis un certain temps, donc j'ai pas pu regarder s'il y avait le Essence ou Catrice. La Catrice, ils ont pas. J'ai pas été chez Creutzvat non plus. Mais du coup, je me suis dit, ben, vu le prix et la quantité, ça reviendrait moins cher. Ça durerait beaucoup plus longtemps sur la durée. Et l'effet est le même. J'ai bien regardé que ce soit une sans silice. Pour pas que ça fasse un effet trop flashback. Donc voilà. J'ai eu la main lourde un peu sur la crème hydratante. J'ai ressorti ma in. Pourquoi je dois me maquiller? Parce qu'elle pénètre mieux dans la peau que la banane. Banane. Faut que j'arrête avec ce mot-là. Que la banane de essence qui reste un peu rugueuse, mais celle à la banane, je l'utilise quand je me maquille pas et la nuit. Oh, j'adore. Comme ça, je vais me coucher sur la banane. Voilà, c'est bien les odeurs de banane. Et voilà pour mes petits soins et pour mon petit week-end. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de trier. Ça fait des mois que je vous dis que je dois le faire. Je vais essayer de trier ma garde-robe avec vous. Parce que j'attends encore des fringues d'AliExpress. Et j'ai vraiment plus de place. Je suis en train de tout bourrer dedans. Ça ne ressemble plus à rien. Quand je dois trouver quelque chose, je dois tout sortir. Donc voilà, il va falloir vraiment que je me décide à faire ma garde-robe. Donc ça serait bien que je fasse ça cette semaine avec vous. On verra, hein, parce que on est lundi matin. Georges ne s'est pas levé pour l'école, encore une fois, c'est reparti comme en 40. Il m'a envoyé un message à 5h30. Maman, j'ai vomi. Oh, bah, comme par hasard. Tout le week-end, ça va bien, mais le lundi matin, il vomit, quoi. Je sais pas ce qui se passe de nouveau avec l'école. Écoutez, son année, de toute façon, elle est foutue, elle est presque finie. Donc, on verra bien. Au cas où vous l'auriez pas vu, ça sort à 10h là pour moi. Il y a un short bonus concours. Donc je vous remets en barre d'infos si vous voulez aller voir pour avoir votre chance bonus pour le concours. Et je vous remets le concours aussi en barre d'infos au cas où vous ne l'auriez pas vu non plus. Voilà, voilà, voilà. Sinon, ah, je vais peut-être vous reprendre pour me coiffer après. Je sais pas comment je vais me coiffer.
Je sais pas, on verra bien, peut-être, sûrement, et pas. Bon, écoutez, pour l'instant, je vous laisse là, et soit on switch le moment, soit on switch le jour. Vous connaissez la chanson, voilà. Alors, il est 8h13, là, je vais juste me coiffer, parce qu'en fait, je vais attendre que le facteur passe, parce qu'il m'amène mon sweat Super Nana, aujourd'hui, que j'ai commandé sur AliExpress. Donc, comme je vais tourner le Disney Challenge, je vais attendre qu'il passe, comme ça je suis tranquille pour filmer, je ne dois pas faire attention. Comme en ce moment, il passe plus du tout à la même heure. Donc c'est souvent quand je l'attends qu'il arrive à plus tard que d'habitude, n'est-ce pas? Attendez, je vais quand même allumer. Oh, pas si clair, pas si clair. Ouf. Donc là, je vais juste me coiffer. Donc le Disney Challenge pour vous, c'est mercredi, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'est Dumbo. Voilà. Donc je vais juste me coiffer avec les lacets. Donc j'ai enlevé les petites perles. Je vais juste utiliser le lacet. J'en attends plein d'AliExpress. voilà. J'ai pris des ombrés. Ça avait l'air trop beau. Donc voilà. Oh, vous savez quoi? Avant, on va faire le tirage au sort du prochain. Tiens. Attendez. Oui, parce que normalement c'était les nouveaux héros, mais là on a utilisé un Joker, on a changé, c'est la première fois en presque 2 ans. Ni l'une ni l'autre était inspirée, donc on a décidé d'un accord commun de changer. Donc là, je vérifie juste qu'il n'y a plus Dumbo, non, je l'ai enlevé. Je fais le tirage au sort pour le prochain. Et Bernard et Bianca. Oh cool. Oh, ça c'est pas mal. Ah ben, je vais faire un screen pour envoyer aux filles. Comme ça elles le savent déjà. Elles pourront préparer ça. Et je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Et parce qu'il y en a le monde de Ralph. Moi, j'ai jamais vu Plaid. Jamais vu Zootopie. Jamais vu Voyage d'Arlo. Jamais vu Cusco. Je supporte pas. La ferme se rebelle, ça va pas être. Quand est-ce qu'on tombe sur Aladdin, Toy Story? Là, ça peut être amusant, quoi. Alice au pays des merveilles. Comme ça, je peux faire le Cheshire. Atlantide. Oh là là, celui-là, j'ai hâte de le faire. Lilo et Stitch. On n'a même pas encore eu Stitch, quoi. Ratatouille. Voilà. Donc, vous avez. Le prochain Disney Challenge, vous avez déjà le thème. J'enverrai après aux filles. Donc là, je vais juste me coiffer de manière somme toute assez basique. Je vais faire mes deux petites caouettes et deux tresses avec les lacets rouges. J'ai hâte de recevoir les autres. J'ai commandé des lacets tout seul, basiques. J'ai enfin trouvé des kakis, les gens. Hein. Et. Comment? Et des petites perles. Voilà, j'ai pris des fleurs et des étoiles pour changer un peu des petits poissons là, parce que les petits poissons ne sont pas bons. Après avoir fait tout un stock de mèches colorées que je n'utilise absolument plus, je vais faire tout un stock de lacets que je n'utiliserai plus au bout d'un certain temps. Vous connaissez mes obsessions. Mais les lacets, c'est vrai que j'adore ça. Franchement. Peut-être vous bougez un peu. Monsieur a toujours pas rangé son métranque. Il a racheté du métranque à une copine de sa sœur là qui le fait elle-même. Mais ça traîne. Ça va être bien frais, c'est ça qui est bien. Donc je vais attendre le facteur et j'irai tourner le Disney Challenge. Faut pas que j'oublie de faire le short et le réel, qui est le même, hein, bien sûr, c'est juste le temps qui permet. Et je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Demain je tourne une autre vidéo, un réel et une autre vidéo. Je tourne, demain je tourne, je vous tourne le réel de la coiffure que j'avais pour le réel
de la palette Rain. Donc, je prends mon petit lacet. Manière beaucoup plus facile de l'attacher. Merci les réseaux sociaux. J'ai vu ça, je sais plus. Ah, ben non, c'est sur AliExpress que j'ai vu quand ils montrent. Et j'y ai même pas pensé, quoi. Alors que ça paraît tellement logique. Mais il faut pas demander à mamie de réfléchir parfois. Voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué. Moi, je m'amusais avec des petits élastiques et tout ça, et ça tenait pas super bien. Mais il suffit de faire ça, en fait. Voilà, c'est pas bien compliqué. Alors, je vais séparer pour faire une tresse, et je prends un brin de bazar dans chaque brin de tresse. Et on tresse. J'ai l'estomac qui gargouille, quoi, non mais allô. J'ai vraiment hâte de recevoir les autres, hein, mais je vais en avoir un paquet. Je vous jure, j'ai un peu abusé sur. J'ai même pris des argentés, mais c'est des ronds, c'est pas vraiment la même chose, je pense. C'est des fils argentés qu'ils appellent ça. Ça encore, je chercherai. Mais on le voit pas beaucoup là dans ma tresse, hein. On le voit plus en dessous. Faut que je la retourne. Attendez, là, je vais de la tresser. Et en dessous, ça fait beau, mais au-dessus, on ne le voit pas. Demain, pour moi, il y a la dégustation qui sort avec Georges, là. J'ai hâte de voir si ça va vous plaire. Parce qu'on s'est vraiment trop amusé à la faire. Voilà. Petit élastique. On est qui jour là? Ah, on est mardi. Ouah, c'est que le début de semaine encore. Voilà. Je t'étends juste un peu pour que ce soit un peu mieux. Mais un peu parce que j'aime pas quand c'est trop détendu non plus. Voilà. Bon, écoutez, hein, ça fera l'affaire. Hein. Elle rebique. Elle rebique, elle rebique. C'est vrai que normalement, je les attache un peu plus basse quand je fais ça. Merde. Bon, on dira que c'est ses oreilles. Bon, ouais. Je suis un peu momole, hein, mais je suis épuisée. Je dors super mal de nouveau en ce moment. Et quand je vous dis super mal, c'est super mal, quoi. Je me réveille, je sais pas combien de fois sur la nuit. Je n'en peux plus. Donc, je vais les mettre au-dessus cette fois-ci pour voir. Vous pouvez parler, hein, c'est pas parce que je me dis que vous pouvez rien dire, hein, les gens. Oh, cherchez pas, je suis fatiguée, je vais dire que des conneries toute la journée. Le seul moment où je dirai pas de conneries, c'est quand j'irai à la sieste. Assez longue tressée, hein, quand il y a une longueur pareille. Et encore là, c'est une simple tresse, c'est même pas une tresse collée ou quoi.
En fait, c'est parce que je dois bien les écarter à chaque fois. Sinon, si je tresse aussi vite que je fais quand j'ai les cheveux plus courts, parce que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, mais ça tresse en dessous aussi, alors ça fait un nœud. Oui. J'espère, comme d'habitude, savoir reproduire ce que j'ai en tête et que ça sera bien de nouveau. C'est pas mon dessin animé préféré. Bon. Après, j'ai du mal avec les vieux dessins animés. Je les aime bien, hein, je les ai tous eus, hein, mais. C'est vrai que quand on voit les Disney maintenant, vous voyez Vaiana, ça n'a rien à voir, quoi. Ou la Reine des Neiges, même limite, aux réponses. Nemo, oh Nemo, j'aime bien Nemo. Voilà, bon, bah écoutez, on dira que c'est bon. Ça me fait de quoi de fibres d'acier, là. Mais ça fait ses oreilles. D'ailleurs, je pourrais peut-être les. Ouh, les oreilles de Dumbo. Non, on va le laisser comme ça. Hein. Alors, je les pince. Je vais les pincer, parce que j'aime pas. Ça repique de trop. Quand il n'y a pas les tresses et que les cheveux retournent derrière, ça va, ça se voit pas. Mais là, ça repique de trop. Attendez, je suis un peu. Donc, je vais la pincer. Hein. Donc j'espère que le facteur viendra pas trop tard. Ouais, c'est mieux. Que je puisse aller filmer ça. Ça, je vous montre le pull avant de aller filmer. Bon, c'est la suite. Ce qui est le plus basique avec les super nanas dessus. En ce moment, on est dans le délire super nana avec les filles. Hein. Voilà. Ah, c'est mieux, hein. Ben voilà, bah écoutez, moi je vais faire ma petite life en attendant Monsieur Facteur. Je ferai certainement mon teint dans une demi-heure, 45 minutes. Comme ça, mon teint sera fait quand il vient et je peux aller monter. Je peux aller filmer. Et voilà, bon, je vous laisse pour l'instant avant de vous foutre une flemme pas possible. Et voilà. Voilà, le Facteur vient de passer, je vais pouvoir aller tourner mon Disney Challenge. Il est 10h34. Donc, j'ai juste tout ça. Hein. Que j'ai pris en M pour être sûr. Alors, les filles vont le voir et oh, il est tout. Elles vont dire ah, je vais me le commander. Oh, l'intérieur est encore plus. J'ai pris en rose. Elles sont trop belles. Donc clairement c'est du flocage, hein. J'aime pas trop ça, mais j'ai pas trop le choix. Par contre sur le visuel il y avait des dessins sur les manches et là ils n'y sont pas. Donc il n'aura pas une très belle étoile, voilà. Mais le principal c'est qu'il y a les super nanas dessus. C'est du flocage de très mauvaise qualité, voilà. On sent que c'est bien plastifié, quoi. Mais bon, écoutez, de toute façon, je vais le mettre pour dormir. Le col est un peu haut, par contre. L'impression. De toute façon, je le mettrai clairement demain. Voilà pour ça. Bon, bah moi, je vais aller tourner ma vidéo, si les gosses font pas trop le bordel, hein, puisque Georges n'est encore une fois pas à l'école. Je ne sais de nouveau plus quoi faire avec lui. Je viens d'envoyer un mail à l'école pour les prévenir que... Je me battais plus avec lui. Hein. De toute façon, l'année elle est foutue et elle est presque finie. Donc... Il m'a dit qu'il était malade. On l'entend vachement bien gueuler pour un grand malade. Bref, on va pas parler des choses qui fâchent. Dites-moi si vous aussi vous avez autant de mal avec vos ados. Franchement, toutes les personnes avec qui je discute qui ont du même âge que moi. Ils ont les mêmes soucis. Donc voilà, bref. Bon, écoutez, sur ce, ben, on switch le jour. Alors, il est 9h40, 8h45. Je me suis levée plus tard, puisque je ne me suis pas levée pour Georges, parce que j'ai été mauvaise langue hier. Il a dormi toute la journée et il est pété de fièvre. Donc, là, son frère doit partir tantôt et il va lui ramener un autotest. Pour être sûr, bien que les autotests, j'ai pas hyper confiance, mais bon,
façon, je vais pas l'emmener au médecin maintenant et absence un peu plus ou un peu moins, ça ne changera pas. J'ai mon piercing qui me gratte. Hein. Je suis persuadée que j'ai une toute petite malheur cri-cri-cri-kéloïde. J'aurais bien, la semaine prochaine, je peux changer mon tragus, mon hélix ici. Vu que je viens de recevoir le mail comme quoi j'allais avoir des congés payés, enfin mes congés payés annuels, je pense que je vais changer mon hélix ici, mon tragus là et mon tragus ici. Je sais pas trop. Faut que je vois si. Parce que là je veux garder un petit anneau. Faut que je vois si elle a des beaux petits anneaux avec un strass. Je sais pas, je verrai bien. Mais en priorité, il faut que je change ce tragus là parce qu'il m'en kikine à l'intérieur. Parce qu'il dépasse beaucoup trop hein, une fois que c'est cicatrisé. Donc si vous le faites, je vous conseille de mettre un anneau. C'est beaucoup moins chiant. Et ici, je pense que je vais changer aussi parce que l'anneau tourne tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Et je pense que je vais mettre le même modèle que celui-ci, mais en plus petit. Je sais pas, je verrai bien. Il faut que je lui demande aussi pour le con. Je ne sais pas maintenant. Hein. J'ai encore un mois avant de le changer. Un mois et demi même. Et voir si je peux mettre justement ce genre de bijoux à l'intérieur. En plus petit parce que là j'ai pas assez de place aussi. Je sais pas qui c'est qui queen derrière. Donc là je vais juste boucler mes cheveux. D'ailleurs en parlant de boucleur, il faut absolument que je vous montre. Ça sera pas pour aujourd'hui parce que je vais pas utiliser beaucoup de petits élastiques, mais la technique du fer à boucler versus les élastiques, c'est magique. Voilà, si vous voulez pas vous abîmer les cheveux, c'est génial. Donc je pense que demain ou vendredi je ferai une coiffure avec beaucoup de petits élastiques, comme ça je vous montre ça. Sinon, hier j'ai fait une commande chez In. Bon, c'est toute petite hein, pour ma défense. J'ai oublié de mon sérum. J'ai racheté des pompiers. Normalement c'est des bijoux d'ongles, hein, mais j'adore ça pour mettre. Ça donnait trop bien. Voilà. Et j'ai acheté un pinceau highlighter aussi parce que j'en avais vachement besoin. Hein, on est d'accord. C'est quoi que j'ai pris? Il y a un autre truc aussi que j'ai pris. J'ai pris le pinceau. Il n'y avait que deux trucs qui n'étaient pas des strass. Le pinceau. Je sais plus. Enfin bref, ça je vous montrerai. Bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il la prévoit que fin de semaine prochaine ou début de la semaine d'après. Et par contre, j'ai fait une commande Bougie Shop de 70 balles quand même. Mais il y avait une promo, hein, c'est leur 14 ans. Donc si vous voulez en profiter, c'est leur anniversaire de leur 14 ans. Et il y avait 25% sur Révolution, principalement. Sur Nabla aussi, il y a... Milani, mais il n'y a pas grand-chose en produit. Mais du coup, j'ai fait une commande full Révolution. Voilà. Donc bah, je vous en dis pas plus, je vous montre pas, finalement je vous ferai un haul avec ça et Maki Beauty. Hein. Ce sera pas un très gros, enfin pas très gros, je dis ça mais bon, entre les deux commandes il y en a quand même pour 100 balles, voire plus. Mais je vous ferai un haul quand j'aurai reçu les deux. Bon, je pense que ça sera pour mardi, pour vous. Parce que je les aurai, je reçois Bougie Shop demain, ça c'est sûr, parce que j'ai fait la commande trop tard pour l'avoir aujourd'hui. Mais Maki Beauty, vu que c'est en Mondial Relais, je peux la recevoir demain, mais je ne sais pas si Chérie aura le temps d'aller la chercher pour que je puisse vous la filmer, pour vous la mettre en bonus. Bah non, demain, c'est pas possible. Vendredi, il y a des coiffures. Samedi, si je fais le live, je ne vais pas vous mettre une vidéo. Donc, ce sera pour mardi. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai envie de bouclette mes chevettes. Tout simplement. Bon, en ce moment, je suis passion bouclette, hein. Alors normalement, moi j'ai toujours les cheveux lisses et Amy a toujours les cheveux bouclés. Et en ce moment, on switch. Hein. Moi je les boucle beaucoup plus et elle les lisse beaucoup plus. Donc voilà, c'est commande à gogo en ce moment. Heureusement que j'arrête pas de dire, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Mais je me calme pas beaucoup, hein. Vraiment pas. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est que quand j'ai des chutes de morale, je fais des grosses commandes. Et là, il est temps que je me calme, quoi. Mais je dis ça à chaque fois, mais j'y arrive pas. C'est maladif. Quand je vois que j'ai presque plus de commandes qui vont arriver, je refais des commandes, enfin des colis qui vont arriver, je refais des commandes. C'est un truc de fou. Bon, écoutez, hein.
Après, je dépense pas l'argent que j'ai pas non plus, hein. Bon, bah moi je vais faire ça toujours devant mes reportages de samedi, là. Et puis je vais faire mon teint, j'irai tourner le premier réel qui est un réel coiffure, j'irai tourner le deuxième qui est un make-up. Voilà, je pense que je vais essayer de vous intégrer un réel par semaine coiffure. Vous aimez bien. Donc, à chaque fois que je fais une coiffure que j'ai pas encore fait, vous me dites tu nous montres. Donc autant que je vous la filme directement. Question de pratique. Bon, allez, sur ce, je ne sais pas si je vais vous reprendre tout à l'heure. Ce vlog va vraiment être très chiant, hein. Il ne se passe pas grand-chose cette semaine. Du coup, je ne vous montrerai pas mes commandes. Je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà. Le chien fait que rentrer et sortir, il est chiant. Faut que chérie me remette la moustiquaire là, parce que j'arrête pas de me battre avec des mayas tous les jours. Je crois qu'il y a un nid d'abeilles pas loin. Hier, j'étais pas sûre si c'était une maya ou une guêpe, alors. Ryan! Ryan! Il vient de quand même de m'arracher le rideau, de me faire un gros trou dedans et de casser l'arbre à chat. Tout ça parce qu'il y a le chien qui sait pas voir, qui vient de passer devant la porte. Ils savent pas se voir ces deux-là, mais en même temps l'autre chien l'attaque par à travers la fenêtre. Donc le gars qui promène nos chiens, il le sait. À chaque fois, ils s'attaquent tous les deux à travers le carreau. Il sait pas traverser. Non. On trouve un autre chemin pour passer, quoi. Je vous jure. Les gens aussi, croire qu'ils le font exprès. Bref. Bon, allez, sur ce, on switch soit de moment, soit de jour, je sais pas. Bon, j'ai tourné mes deux réels, donc la coiffure que vous aurez en réel et le make-up. Je vais vous montrer pour enlever les élastiques, mais je reste pas longtemps parce que je suis en pleine discussion avec une dame sur Facebook, enfin sur Messenger. Je viens de faire une bêtise. Enfin, bêtise. Et, nouvelle lubie de mamie, je veux un sugar leader. Donc ce sont des petits marsupiaux volants qui viennent d'Australie, voilà. Et du coup, je me suis inscrite dans un groupe sur Facebook et j'ai une dame tout près de chez moi qui a une petite femelle, mais comme on ne peut pas en avoir que un, il faut qu'il soit absolument au minimum à deux, il faut que je trouve une deuxième absolument. Donc elle me le garde jusqu'à ce que... voilà. Donc chéri va être heureux quand il va la prendre. Et sinon, demain matin, je peux pas filmer parce que j'attends le technicien pour la connexion internet qui arrête pas de bugger. Donc voilà. Donc, quand vous avez autant d'élastiques, j'en ai chié pour faire cette coiffure, j'ai mis plus d'une heure. Hein. Vous prenez votre petit fer à boucler chou, hein, bien évidemment, et punch. Voilà. Punch. C'est magique. Je vous jure, quand vous en avez autant sur la tête, ça va beaucoup plus vite que le petit coup élastique là. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas testé avant. Donc bien sûr, ça colle après le fer, hein, mais une fois qu'il est froid, vous essuyez. Et après, vous en avez un petit peu partout aussi. Hein. Voilà. Fer à boucler 1, élastique 0. Donc là, j'attends ma commande. Pussy Shop aussi, donc du coup, je vais pas faire de sieste aujourd'hui. J'ai plein de recherches à faire pour la petite bébête. Je vous ai affiché une photo normalement. Hein. Et pour voir un peu ce que je peux fabriquer moi-même. Il faut que j'achète une cage, bien évidemment. Donc j'ai un peu regardé si j'arrive à en trouver une d'occasion. Il faut genre une volière comme les chichous, quoi. Donc voilà. Bon, la femelle est 250 balles hein, chez elle. Hein. Et encore, c'est pas cher parce qu'il y en a qui les vendent 350 balles. Alors, c'est des animaux qui sont pas autorisés en France et en Belgique. Donc, n'allez pas me dénoncer, s'il vous plaît. Mais voilà, après, je compte pas faire d'élevage. C'est pour ça que je préfère deux femelles. Voilà, donc c'est tout déjà pour aujourd'hui. Je vous dis là, j'ai plein de choses à faire, du coup, je vais me démaquiller et faire mes petites recherches, faire mes petits montages.
J'ai tâté le terrain auprès de chéri. Hein. Je lui ai demandé s'il m'aimait parce que il n'est pas au courant. Mais c'est une nouvelle lubie. Hein. Donc, moi, mes lubies, vous savez comment ça fonctionne. Quand je veux quelque chose, j'ai pas de patience. Et voilà, vous voyez que le temps que je vous parle, j'ai réussi à enlever tous les élastiques de ce côté-là dans mes couettes. Donc je vous jure, c'est magique ce truc-là. Magique. Magie. C'est magique. Bon, après, vous avez des petits bouts partout. Bon, allez, sur ce, ben, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog sera assez court, mais bon, hein, écoutez, je ne peux pas toujours faire 1 heure. Demain, je vais devoir attendre le Gugus pour la connexion, le technicien. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais déjà vous donner le planning de la semaine prochaine. Puis après, je répondrai à la dame. Donc lundi, une palette, un make-up. D'ailleurs, il est déjà tourné. C'est avec la Kaleidoscopic Dream de Obsession. Mardi, du coup, normalement, le haul Boozy Shop et Maki Beauty. Si Maki Beauty est bien arrivé, sinon ce sera pour jeudi. Et mercredi, le Disney Challenge, donc qui est sur le thème de Dumbo. Vendredi, les produits make-up terminés sur 6 mois. Puisque, si vous avez bien remarqué, je vous mets jamais les produits terminés make-up, puisque normalement, je fais qu'une vidéo à la fin de l'année. Mais là, j'en ai un peu beaucoup. Donc, on va le faire milieu d'année aussi. Voilà. Et puis, bon, dimanche, le vlog, quoi. Comme d'hab. Et vous voyez à la vitesse où ça va? J'adore cette technique. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je laisse mon fer à boucler en bas. Voilà pour ça. Donc, je vous ai tout donné, le planning et tout. Demain, je vous reprendrai. Le Gugus, il vient sur la matinée. Donc, je vous reprendrai peut-être un peu le matin. Et puis, je verrai bien. On verra quelle heure il est et compagnie. Donc, ensuite du jour. Bon, il est midi 16. Il va seulement que je vous prends pour clôturer le vlog. J'allais vous oublier encore un peu. Je suis crevée. J'ai dormi 3 heures. Attendez. Non, un peu plus quand même. 4 heures. Je me suis endormie. Il devait être 3 heures du matin. Et à 7 heures, moins le quart, j'étais réveillée. Et j'ai le gars d'internet qui est passé. Là, je vois que le wifi clignote. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Apparemment, ça serait dû à un problème d'humidité dans la prise téléphonique. Donc, il a mis des trucs exprès pour l'humidité, des embouts caoutchouteux ou je ne sais, rien cuit. Je voulais vous prendre il y a une demi-heure, mais ça fait une demi-heure qu'il y a une bonne femme qui gueule comme une hystérique sur son bébé qui pleure parce que je ne sais pas ce qu'elle traficotait avec le bébé dans la voiture. Je crois qu'elle lui changeait le cul et qu'il hurlait. Et elle gueulait encore plus. Voilà, merci. Alors, je vous ai déjà donné le planning. Je suis en pleine dépression. Vous avez entendu parler de ma nouvelle lubie, hein, je vous l'ai dit hier ou avant-hier. Il fait sombre, hein, mais il pleut. Il vient de se mettre à pleuvoir et il n'y a plus de soleil. De ma nouvelle lubie qui est donc un glider, un sugar glider. Donc j'en ai trouvé un duo ici dans le coin, à 10 minutes de chez moi, sauf que c'est un mâle et une femelle, qui sont frères et sœurs. Donc interdiction de reproduction, et de toute façon, comme vous le savez, c'est pas mon intérêt, c'est pour ça que j'ai fait castrer Gougou. Donc, depuis ce matin, 9 h, je suis au téléphone avec plein de vétérinaires, Belgique, France, Luxembourg, pour essayer d'en trouver un qui accepte de castrer cette espèce d'animal. Personne ne le fait. Donc je ne peux pas prendre le duo. Et la femme, elle est adorable. Franchement, elle est adorable. Voilà un des gosses qui descend, je ne sais pas lequel. Je suis épuisée. C'est qui? C'est un Enzo sauvage qui est encore à moitié à poil, qui est malade. Ça va mieux? Et toi, tu fais venir chat alors que tu es malade? Bah ouais, tu vas aller lui C'est refiler la ta nuit, grippe. surtout que ça me pète des couilles, il fait trop chaud. Je pense qu'il a une grippe, que Sam lui a refilé sa grippe. Donc je suis embêtée avec ça. Puisque je ne trouve pas de vétérinaire pour castrer le mâle. J'ai une autre dame, j'ai vu une annonce sur je ne sais plus quel site de seconde main, hein,
ce qui est tout à fait illégal en soi. Bon, déjà, la détention des animaux en Belgique, de ces animaux-là, c'est illégal. Enfin, c'est interdit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'en ai trouvé une qui vend deux femelles, donc deux petites sœurs de 2 mois et demi. Elle est à Liège. Donc j'avais envoyé un mail en me disant, probablement, ça va être le genre d'annonce en me disant, oui, ben, vous pouvez les payer par compte en banque, et je vous les envoie. Voilà, mais bon. Là, elle me dit, non, non, ils sont toujours dispo, je peux vous les déposer à Oui si ça peut vous arranger pour faire moins de route. Ça me change de 5 minutes, donc. Mais là, l'avantage que j'ai, c'est que c'est plus loin. Donc je perds juste le prix de l'essence, mais je suis quitte de faire une castration. Surtout que je ne trouve pas de vétérinaire qui fait la castration. Donc voilà. Mais après, il faut se taper la route, quoi. Et comme chéri n'est pas emballé par l'idée, il va me dire, bah, tu te démerdes, tu vas toute seule. Et je peux pas rouler jusque Liège, c'est juste impossible. C'est les filles qui sont en train de discuter quand je vous parle. Bon, après, je vais essayer de négocier, hein. Je paierai l'essence, bien évidemment, puisque c'est pour un de mes caprices encore. Enfin, caprice, une de mes lubies, on va plutôt dire, parce qu'un caprice ça passe, là ça passera pas, donc je les aurai pas. Sinon, j'ai juste à acheter en fait la cage et une roue. La cage, j'en ai trouvé une, mais si je la commande par exemple aujourd'hui, je ne l'ai que dans une semaine ou deux, enfin, un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, entre le 28 et le 1er juin, je crois. Donc, je pourrais aller les chercher le week-end du 4. Mais il faut que Chéri soit d'accord. Et j'attends d'abord que la dame me confirme qu'elle veut bien me les vendre parce qu'elle me dit oui, mais ils vont avoir peur avec le chien. Ben lol, les chiens chiens, ils se sont habitués. Là, ils ont 2 mois, donc forcément, ils vont. Ils vont prendre l'habitude, quoi. Mais bon. Voilà, maintenant il reste plus qu'à attendre qu'elle elle me confirme qu'elle veut bien me les garder. Et que ça ne dérange pas l'autre personne qui m'avait réservé le duo frère et sœur, qui est franchement adorable. J'ai discuté avec elle depuis hier. J'ai discuté avec elle hier toute la journée. Elle est assez compréhensive, mais après elle m'a fait confiance pour me dire qu'elle me les gardait. En priorité à moi, mais voilà, ça, j'ai un peu l'impression de lui trahir sa confiance, donc ça, j'aime pas. Mais voilà, je fais ce que je peux, et si je trouve pas de veto, c'est juste pas possible. Ils peuvent pas vivre seuls, et ils peuvent pas vivre un couple frère et sœur, quoi. Puis de toute façon, même s'ils étaient pas frère et sœur, je veux pas trop porter sur la nez ce petit bébé. Voilà, bref. Donc il reste plus qu'à espérer que maintenant la dame de Liège veut bien me les garder, que Chéri voudra bien m'emmener les chercher et que l'autre personne ne soit pas vexée si je les prends à une autre, quoi. Voilà. Mais je vous dis, j'ai téléphoné à tous les médecins du coin des 3 pays, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. J'arrive même pas à trouver un véto que j'ai pas déjà contacté. Bon, j'attends encore des retours par mail, mais je pense pas qu'il y en ait qui le fassent. Donc, je suis vraiment embêtée. Lui, au bout de sa vie. Ce qui est bien, c'est qu'il partage parce qu'il fait même venir sa copine alors qu'il est malade. Il aime bien partager ses microbes. Eh ben moi je vais manger puis je vais aller à la sieste, je pense. J'ai encore le montage du vlog. J'ai plein de montages à faire. Enfin, j'ai 2 réels plus le vlog à monter. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. J'ai pris plein d'infos sur les petites bébêtes, hein. Plein, et je continue à chercher hein, tant que de toute façon encore les chichous, je cherche encore des astuces et tout ça. Et là aujourd'hui j'ai fabriqué une petite pochette de transport. Alors c'est pas pour les transporter, pour les balader hein. C'est en fait pour qu'ils s'habituent bien à vous, c'est les avoir sur votre ventre
qui dorment la journée à l'intérieur. Donc j'ai pris un pan d'un harnais, d'un hamac que les chichous n'aimaient pas. J'ai mis un lacet, je l'ai cousu pour faire une petite poche comme ça, vu que c'est des marsupiaux, ils aiment bien être dans les poches. Donc voilà, je l'ai mis dans l'autre sens parce que bon, ça aurait été plus confort pour eux ce côté-là, mais pour pas qu'ils se prennent des griffes dedans. Donc là, il ne me reste plus qu'à la laver. J'ai préparé plein d'accessoires pour mettre dans la cage, que j'ai toujours pas la cage et que j'ai toujours pas les bestioles. Mais voilà, ça m'occupe. Bon, sur ce, ben, je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On excuse ma tête de guenuche du jour, hein, mais comme j'ai très peu dormi, j'ai hâte d'aller à la sieste. J'attrape mal la tête en plus. Et donc, de toute façon, on se retrouve demain en vidéo. Je vous ai déjà donné le planning, donc j'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous!